direct en public, eh bien j'ai la chance d'avoir ici même sur le plateau des winners. Et quand je dis des winners, évidemment, ils ont gagné le challenge de la performance marketing avec nos amis de Marketing Magazine. Bonjour mes amis de Cision, Caroline Faucon et Christopher Da Silva. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je commence par les filles. Allez. Bien sûr. Alors Caroline d'abord, je commence par vous aussi parce que vous avez gagné ce trophée. Alors on va pas parler du trophée puisqu'on va pouvoir découvrir votre cas client également sur le portail vidéo. Je vous incite à regarder ce pitch gagnant. Parlez-nous un petit peu des métiers de Cision. Je lis sur votre carte RP, veille, influence. Les métiers de Cision, c'est quoi exactement ? Bah en fait, c'est déjà bien résumé. Effectivement, on propose en fait une plateforme 100% intégrée permettant à la fois effectivement de gérer de A à Z ces actions de communication. Donc effectivement, de la base de contact journaliste pour contacter les bons influenceurs. Dans la vraie vie, si je puis dire. Dans la vraie vie, avec leurs vraies adresses, etc. Diffuser leur communiqué de presse. Et ensuite, un système de veille qui permet justement de voir les reprises des articles et puis d'analyser un petit peu ses actions et son retour sur investissement. Ouais, on voit bien. Alors, je me retourne vers vous, Christopher. Oui. Parlez-nous un petit peu de vos clients. On va prendre un cas très concret. Oui. Une entreprise travaille avec vous. Alors, soit vous la citez, c'est génial. Soit vous pouvez pas, c'est pas grave. Mais j'arrive, je viens voir Cision. Qu'est-ce qui se passe, Christopher ? Eh ben, il se passe que déjà, avant toute chose, on discute, on échange sur les différentes problématiques de l'entreprise, avant toute chose. Donc, il y a plusieurs choses. On peut aborder aujourd'hui nos différentes solutions par différents moyens. Il y a la veille, que tout le monde connaît, donc tout ce qui peut être lié à la veille presse en ligne. Blog, forum, réseaux sociaux, les influenceurs, et il y a les RP, c'est-à-dire avoir une base de données pour diffuser de l'information et montrer, entre guillemets, à des journalistes que l'on peut faire, des nouveautés, ça peut être sur des présences à un salon, comme aujourd'hui. C'est ça, c'est pas du one shot, c'est vraiment dans la durée, de l'influence, des réseaux sociaux, de la veille, et lors des temps forts, vous activez le réseau, c'est ça ? Tout à fait, dans relation presse, il y a le mot relation. Ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est qu'à tout moment, un journaliste, qui peut être un journaliste de presse écrite, presse en ligne, un blogueur ou un pigiste, peut relayer de l'information. Mais pour qu'il puisse relayer de l'information, il faut bien créer un lien avec ce journaliste. Et aujourd'hui, notre solution permet de ça, permet de créer des liens sur la durée, directement, pour que chaque entreprise qui souhaite communiquer puisse à un moment dire « Ok, on va communiquer avec cette personne ». Parce qu'on la connaît, parce qu'on a déjà créé des liens avec elle. Très bien. Alors, Caroline, ce matin, vous avez présenté un cas en compétition. Vous avez 40 secondes pour nous décrire ce cas client et les résultats extraordinaires que vous avez obtenus pour eux. Effectivement, donc en fait, il s'agissait de trois personnes avec des problématiques différentes, mais un but commun, se développer à l'international. Et en fait, notre solution, le but était de trouver une solution qui répondrait aux trois objectifs. Et donc, effectivement, là, dans l'idée, exactement, c'était créer de la relation à l'international quand on n'a pas la personne en face. Donc, ça passait effectivement par trouver des nouveaux contacts, trouver des nouveaux influenceurs. Ça se passe aussi bien de la presse écrite en ligne, etc. Et derrière, voir les résultats. Et effectivement, les résultats, ça a été... Citer l'entreprise et les résultats, ils sont assez bluffants. Voilà, donc tout à fait. Donc en fait, l'entreprise, c'est Maison du Monde. Ils ont eu plus 30% de retombées réseaux sociaux et par effet de ricochet, du coup, plus 15% dans de la presse traditionnelle puisque la fond a été relayée. Et surtout, en élargissant comme ça leur relais d'opinion, ça leur a permis justement de faire connaître leur magasin et même avant l'ouverture dans ces pays-là. Les magasins étaient attendus, en fait. Eh bien, écoutez, on voit de manière très concrète l'impact des solutions de Cision. Christopher, en conclusion, peut-être un autre nano-exemple et puis une adresse, un site web pour entrer en contact avec vous, avec Caroline, avec toute l'équipe. Alors, en fait, bon, moi, je n'ai pas forcément de cas concret parce que mon rôle aujourd'hui chez Cision, c'est d'aller chercher justement des clients qui ont des problématiques. Donc, on en a beaucoup. Donc, je ne vais pas citer de nom parce qu'aujourd'hui, pour des raisons confidentielles, on ne le fera pas. Bien sûr. Mais pour toute information, vous pouvez nous retrouver sur notre site web www.cision.com.fr/fr. Et de toute manière, aujourd'hui, notre présence au DevCom, elle est simple. On est à Lyon aujourd'hui, on a nos bureaux présents dans Lyon 6e. On veut vraiment être présent pour refaire découvrir ou faire découvrir à nos différents clients ou des personnes qui souhaitent communiquer qu'on est là, qu'on est à côté, qu'il y a vraiment un réel suivi entre un commercial comme moi aujourd'hui, un chargé de compte comme Caroline, et qu'on les accompagne jusqu'au bout et qu'on a des résultats. Et on en a vu l'efficacité tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes les vainqueurs du trophée Marketing. Félicitations à Caroline. Avec nos amis de Marketing Magazine. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Revenez quand vous voulez sur le plateau du DevCom. Un dernier mot, peut-être vous voulez rajouter quelque chose. J'allais dire merci au DevCom parce qu'en fait, comme on le sait, un influenceur cache un influenceur. Et donc aujourd'hui, notre influenceur à nous, c'est le DevCom. C'est le DevCom. C'est génial. Merci à tous les deux. Quand vous voulez pour avancer ensemble. Merci encore plus loin. À bientôt. À bientôt. À bientôt.